Eh bien, salut tout le monde dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une... Attendez deux secondes. Ah, c'est... Voilà, juste pour pas entendre le bruit. Alors, donc, dans cette vidéo très spéciale, on a atteint les 202 abonnés. Donc, je vous mets la surprise. 3, 2, 1... Et oui, l'Elgato Game Capture G60S, magnifique, comme vous pouvez le voir, je l'ai enfin. Voilà, il faut juste installer Windows 10 pour que j'ai enfin, donc avec 1080p capture, quoi. USB 3.0, puis j'ai une facecam, mais elle n'est pas là, donc je ne pourrais pas la montrer dans cette vidéo. Donc PS4, donc ça peut se mettre sur PS4, PS4 Pro, après sur Xbox, Xbox One ou Xbox One S, ou et justement enfin la Nintendo Switch, comme vous pouvez le voir là c'est à l'envers, mais bon, et avec, on peut mettre du coup sur YouTube et sur Twitch que je viens de t'apprendre. Donc là vous voyez la facecam sur l'écran avec ça, avec la filmation pour filmer quoi. Et ben du coup la facecam je l'ai en bas, mais bon malheureusement dans la prochaine vidéo je vous montrerai la facecam. Donc voilà, j'ai l'Elgato quoi. Voilà un peu l'allure. Je vais pas l'ouvrir avec vous parce que voilà quoi, j'ai déjà un peu digéré parce que en fait je vais l'ouvrir plutôt tranquillement quoi, parce que je sais pas si c'est bien ou pas, donc voilà. Donc voilà. Voilà, j'ai l'Elgato Game, voilà. Donc merci beaucoup énormément pour les 202 abonnés. C'est un truc de dingue comment on monte de vite. Bah avec l'Elgato ça va être encore plus. En plus, je peux faire des lives et des vidéos avec. Donc c'est tout simplement parfait. Donc ouais, on peut faire aussi des lives. On peut ajouter sa voix. Justement, enregistrer immédiatement. Capture musique, voilà quoi. Donc voilà, la vidéo va se finir. Merci beaucoup pour les 202 abonnés. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans toutes mes vidéos, abonnez-vous, likez, partagez à qui vous voulez. Surtout, je fais plein de vidéos. Salut les gars, dans une prochaine vidéo.